to your favorite modern world. Bonjour tout le monde. C'est en surfant parmi les suggestions de Bandcamp que je suis tombé un peu par hasard sur le groupe Constellacia, une formation d'Afrique du Sud qui donne dans le post-black metal progressif. Le Quatuor n'a sorti que deux albums depuis leur formation en 2018, The Language of Flames en 2020 et Magisterial Romance qui a été distribué en 2022 chez Season of Mist. Magisterial Romance, ce sont 4 titres d'environ 10 minutes, puissants et dévastateurs, submergés par les émotions malgré le chant quelque peu rugueux. La musique du groupe est dans la veine du post-metal sur un chant caverneux où les guitares empruntent souvent une forme progressive et parfois du cinématique comme dans Adorn. Et si la voix est plus proche des hurlements que du lyrique, elle véhicule cependant une incroyable émotion tout au long de l'album. Pour les progueux comme mon ami Lonis, je tiens à être bien clair. Magisterial Romance, c'est 39 minutes de crawl avec juste un peu de chant féminin sur Adorn. Autant dire que ça gratte les tympans. Ma femme possède un avis bien tranché sur la question. Il est abominable cet album. Et oui, nous ne sommes pas toujours d'accord en ce qui concerne la musique dans notre ménage. Mais ce growl, aussi caverneux soit-il, véhicule des émotions vraiment puissantes. C'est d'ailleurs la première chose qui m'a séduite sur cet album. Alors, il faut bien l'avouer cependant, la batterie n'est pas forcément l'élément le plus élaboré dans les compositions et sorti de quelques moments de bravoure, ça tape fort sur l'enclume sans grand discernement. A contrario, la guitare électrique sort souvent du mood post-metal pour se livrer à des solis que l'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre dans ce genre de musique. Pour situer le groupe, dans le peu que je connais, il trouverait une place entre un Cult of Luna et un Schaffnull, avec un côté vaguement flodien, comme sur Pean Emerging par exemple. J'aime beaucoup la forme longue des morceaux qui permet de s'imprégner complètement de la musique. Le growl dévastateur de Kenan Oakes qui me ferait presque pleurer, et la guitare de Gideon Lamprecht qui sort des sentiers battus. J'aime tellement cet album que je me suis plongé juste après dans l'écoute de Language of Limbs, leur précédent disque qui est dans la même veine avec lui aussi un titre chanté par une femme. Je sais que tout le monde n'est pas anglophone, surtout en France. Cependant, je vous invite vivement à lire le livret de Magisterial Romance. Les textes sont des poèmes étranges, poignants et forts, comme le chant de Kenan Oakes. Alors oui, le chant vomito va en rebuter plus d'un, mais pour moi, Magisterial Romance est un pur chef-d'œuvre, un incontournable à découvrir d'urgence si vous ne le connaissez pas encore. Hélas, mille fois hélas, il semblerait que le groupe soit dissous depuis et il se pourrait bien que nous ne l'entendions plus. C'est tout pour aujourd'hui, mais que demander de plus? On se retrouve dans une semaine pour une nouvelle trouvaille. D'ici là, écoutez de la musique et soutenez les artistes en allant à leurs concerts. Vous pouvez cliquer sur le pouce si vous aimez le growl. Et si vous voulez découvrir d'autres chroniques, abonnez-vous. Bisous !